pensez à cliquer sur le petit i qui doit être juste en haut dans le coin de la vidéo pour vous dire si vous préférez les rebelles ou l'Empire, le premier ordre exactement. Comme ça, je ferai une deuxième version de cette mock avec un avantage pour un des deux camps. Pour le moment, c'est plutôt égalité, mais je ferai un avantage. Voilà. Pensez à cliquer sur le petit i pour savoir qui vous préférez. Bonjour à tous et à toutes, c'est RS Studio. Aujourd'hui, pour vous présenter ma plus belle mock Lego Star Wars, ma plus grande mock. Voilà, elle est magnifique. Avant juste de commencer la présentation, je vais juste vous montrer ce que j'ai gagné au concours de Marco Solo. Voilà, une figurine du Joker. Voilà, j'ai gagné le premier prix. Voilà, merci beaucoup Marco Solo pour ce premier prix. Voilà, je devais le montrer dans une vidéo. Alors, commençons tout de suite par le champ de bataille. Ici, nous avons un petit vaisseau. Il y a deux vaisseaux rebelles, ou résistants plutôt. Ici, avec deux soldats. Ici, nous avons un officier moustachu. Ici, nous avons trois soldats et un autre officier. Un autre vaisseau. Et trois autres soldats et un lieutenant. Ici, nous avons un flamme-trooper. Il y a une espèce de zigzag de terre. Assez joli de monter une vue aérienne, que ce soit pas tout vert, donc il y a un petit zigzag de terre. Également, l'arbre, je le trouve vraiment très joli selon le plan de Lego Dark Stuff, comme d'habitude. Merci beaucoup, Lego Dark Stuff. Ici, nous avons un autre soldat du premier ordre, trois autres soldats, encore un soldat, un flamme trooper juste ici, d'autres soldats. Il y a énormément de soldats du premier ordre. Ici, nous avons une petite rivière. Très joli, je trouve. Il y a des détails, il y a du relief un peu partout, des petits bambous, des petits stalks. Ici, nous avons l'ATST qui tire sur un des vaisseaux rebelles. Voilà. J'aime bien les détails. L'arbre aussi est très joli avec les différentes variantes de vert. On va tout de suite passer à la base. Je vais tourner la mock. La porte, voilà, une porte arrondie, voilà, je trouve ça assez joli. Voilà. Ici, au premier étage, nous avons une batterie qui tire sur un vaisseau rebelle, sûrement avec un stormtrooper. Voilà. Ici, nous avons une petite fenêtre où on voit le général Hux en train de regarder la bataille derrière son gros générateur de bouclier bien protégé. Voilà, on va tout de suite commencer par les toits. Je retourne la map. Alors ici, nous avons une plateforme où il y avait un transporteur de troupes. Et ici, un petit stormtrooper, des petites caisses qui tirent sur les ennemis. Ici, une petite antenne. Ici, un petit truc pour déclencher les LED. Voilà, le premier LED est là. Voilà, on voit un LED là. Il y en a deux autres dans cette mock. Ici, nous avons les balustrades qui sont lisses. Ici, une petite caisse, l'escalier qui descend au rez-de-chaussée, un stormtrooper qui course au combat, une petite échelle, des petites portes. Ici, nous avons un générateur de bouclier, un petit signe de l'Empire. On va tout de suite commencer par le premier étage. Alors, juste ici, nous avons trois PC avec un lieutenant, juste ici, avec une grande baie vitrée également. Des petits détails, voilà, et très détaillés, je trouve. Ici, nous avons un stormtrooper avec des petites grilles derrière, des petits pods, des petits PC un peu partout, le général Hux, une grande table holographique, 6 personnes, un autre PC, des petites armes, des petites grilles, une petite baie vitrée, une grande baie vitrée. Elle est très détaillée, je trouve. On va tout de suite passer à l'étage du dessous. Je vous pose une seconde pour enlever l'étage. Voilà. Voilà à quoi ressemble l'étage une fois détaché. Voilà. Je vous le pose. Après,
Au premier étage, nous avons donc l'escalier dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Ici, nous avons une petite infirmerie avec un clone blessé. Ici, nous avons une petite pompe avec un petit tuyau, une petite potion, un lit d'infirmerie. Tout le sol est lisse. Voilà, je trouve ça magnifique. Je vous montre. Tout le sol est lisse partout. Voilà. Ici, nous avons des petites grilles, une armurerie, des petites armes, un casque de stormtrooper, des massues électriques, des packs, des boucliers. Tout en étant le sol lisse. Ici, nous avons un stormtrooper qui court au combat avec une petite soufflerie. Je vais vous tourner la moque car je vais vous montrer un LED, un des trois LED de la moque. Ici, toujours l'endroit pour appuyer. Juste ici, nous avons un petit LED. Ce qui rend assez classe vu qu'on voit l'ombre du stormtrooper. Voilà, c'est pensé. C'est assez classe, je trouve. Avec un petit PC, la porte, on voit le combat. Un dos arrondi, une petite caisse. Voilà. Après, on va passer au dortoir qui est juste derrière ce petit gris. Ouais, donc tout s'emboîte parfaitement. Voilà. Ici, on a un officier pour un combat. Des petits lits, des petits détails, des petites souris. Un petit manchon de poulet oublié par un soldat. Une petite chaise. Des petites caisses. Et un autre LED. Et un autre LED ici. Voilà, il y a trois LED en total sur ce plan. Voilà, c'est vraiment très très joli, je trouve. Cette moque est vraiment la plus belle moque. J'ai caché mes fils ici, dans ce boîtier là, et dans celui là qui est trop compliqué pour l'enlever, mais c'est vraiment très pratique. Voilà, je vais vous remettre les toits et vous refaire une vue d'ensemble de la moque. Voilà. Je vous montre tous les toits. Ok. J'espère que cette moque vous a plu. Voilà, c'est ma plus belle moque. À 20 likes, j'en ferai une aussi grande car elle m'a pris beaucoup de temps, plus d'une semaine et demie de construction. Je suis partie en vacances donc ça a été laissé en plan pendant un certain petit bout de temps. Donc voilà, à 20 likes, je ferai une aussi grande moque et aussi belle. Voilà. Je vous fais une vue du moque. Je suis très fière de l'arbre, c'est vraiment magnifique. Merci. Du dégradé de marron. Vraiment très très joli. Voilà, je trouve que cette moque est vraiment ma plus belle moque. Si elle vous a plu, pensez à liker et à commenter, à vous abonner. Pour rappel, objectif 20 likes si vous voulez une moque aussi belle et aussi grande.